Bonjour, c'est pourquoi, monsieur ? Bonjour, mon grand, je vends des encyclopédies illustrées. Toutes les connaissances résumées en 22 volumes. Est-ce que tes parents sont là ? Oui, je vais les chercher. Mais non, gros malin, c'est moi, regarde. Surprise ! Tonton Eugène ! Oh, Eugène, ça fait plaisir de te voir. J'aimerais pouvoir en dire autant, frérot. Ça sent rudement bon dans cette maison. Tu aimes toujours le rôti avec de la purée, Eugène ? Ah, vraiment, la seule chose de bien qui est faite, mon frère, c'est de se marier avec toi. Tu ne changeras décidément jamais. C'est mon humour qui l'a fait craquer, tu sais. Autant dire que tu n'avais aucune chance. Dis-moi, il a fait des progrès, ton père. Il arrive même à me faire rire maintenant. Bon, si on passait à table. Nicolas, tu t'assois là. Et toi, Eugène, comme tu es l'invité, tu as droit à la place d'honneur. Tu m'auras pas si facilement. Je sens que tu m'as préparé quelque chose, toi. Qu'est-ce que tu vas encore chercher là? Vérifie si tu n'as pas confiance. Alors, tu es rassuré maintenant? Non, je suis sûr que tu m'as... La poudre éternuée. Un classique, mais terriblement efficace. Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Oh, vraiment, tu exagères. Il se fait toujours avoir, le frangin. Bon, allez, pendant le repas, je propose qu'on arrête de faire des blagues. D'accord? D'accord. Arrêtez, oh là là, arrêtez, j'ai mal au ventre à force de rire. Vous deux, c'est toujours pareil quand vous vous retrouvez. Vous retombez littéralement en enfance. Chère adorable belle-sœur, je crois que je n'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Quel flatteur tu fais, tu dis ça à chaque fois. Oui, mais là, c'est vrai de vrai. C'était vraiment une chouette soirée, tonton Eugène. Oh, j'allais oublier. J'ai un cadeau pour mon neveu préféré. Wow, un faune, il est terrible. Mes copains vont l'adorer quand ils le verront. Si tu veux, je peux même venir te chercher demain à l'école. Comme ça, on pourra rigoler sur le chemin du retour. T'es vraiment le meilleur de tous les temps.